When you start going up, quand vous commencez à aller en montée, you see it losing power. Vous remarquez que le véhicule est en train de perdre la puissance. Even the rev counter going above green. Et parfois, vous remarquez que l'aiguille va aller au-delà de la zone verte. Then you know you have to reduce the gear. Et vous savez que là, en ce moment-là, vous devez retourner. As long as it is comfortable for you to go on a green zone. Aussi longtemps que ça soit aussi confortable pour vous de garder cette aiguille dans la zone verte. Go with it. That's the language you are speaking. Appliquez cela. C'est le langage que le véhicule doit comprendre. These are practical. How many drivers here? Ça c'est la pratique. Il y a combien de chauffeurs? You are drivers. Are you confirming what I'm saying? Est-ce que vous confirmez ce que je dis? Hier, avant qu'on soit formé, on nous a démontré par nos collègues anciens chauffeurs, quand tu descends en montagne, tu réduis ta vitesse, on contrôlait le tout moteur avec, on nous faisait savoir que ça consommait le moteur, vite tu étouffes le moteur. Ça consommait? Le carburant. Ça étouffe le moteur. Oui, il y a certaines fois, il y a tellement de police, drivers. Telling them that if you're going down a mountain, if you get a gear, and you, even if you are controlling the rate of the needle, you're still consuming more fuel. That was it. That's what they were told. But you remember? Et voilà pourquoi vous allez remarquer dans ces cas des gens roulent encore avec une grande vitesse. That's why this mountain way. Maseca. Vous m'avez maintenant enseigné. Mais avant, c'était pas ça. I demonstrated to you. And ask any engineer. J'ai prouvé cela. N'importe quel ingénieur. The only where fuel can double is when the accelerator is pressed down. Le seul moment où ça consomme plus, c'est à ce moment-là que vous commencez. Rev counter does not represent the fuel consumption, the fuel feed in the engine. Le moteur ne dit pas la consommation de carburant. Rev counter only counts the rotation of the engine. Le tour moteur donne juste le nombre de tours du moteur. Which at that moment is rotating very fast because gravity is pushing it. Et ça, cette façon, on va peut-être que le moteur tourne tellement rapidement à cause de cette la gravité. Now, because of not knowing. Et à cause de l'ignorance. People are using theories which are not true. In fact, those in high gears, they are the ones that are using fuel, they are the ones that are risking their lives. Et les gens croient ces théories erronées. Et le fait d'utiliser une grande vitesse sur la descente, ils sont les premiers à se consommer et aussi mettre leur vie en danger. I gave one example there on the hill. J'ai donné un exemple dernièrement. I engaged the road gear. J'ai engagé une vitesse My legs, nothing was touching the brake or the accelerator. Et je descendais sans même que mes pieds puissent toucher. It was only the steering. Et les pédales. J'étais juste en train de contrôler le véhicule avec le chauffeur. And the track was stable. Et le véhicule était stable. Did we go in the track or bus? Est-ce que nous, tous nous étions dans le véhicule, on a vu comment ça s'est passé? Did I press anywhere brakes or the accelerator when we were going down? Est-ce que j'ai appuyé sur l'accélérateur quand je descendais dans la montagne? At that moment, there was no fuel consumption different from the item. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de surconsommation différente que du moment où le véhicule est courant. C'est la même chose. Even when we were going up, yes. Pourquoi je parle de ça? En tant que chef de convoi, en plein convoi, automatiquement, moi je vois un chauffeur, je tourne vers le chauffeur. Il va me mettre à l'heure de convoi.
Oh, au temps normal, il continue. So, as he's been a combo leader, and the way you expected it, in the past, you found the driver doing that. Maybe you just say that you're delaying us, because you take it too much time to go down. Yeah, Mais si tu le combats, tu le combats. Là, on est formé. On va le continuer ça. C'est-à-dire que tu le combats. Non, mais il y a le knowledge. Non, avant, c'est prendre votre bien. Monsieur, dès qu'il y a un camion, on a besoin d'un problème de consommation. Dès qu'il y a un camion, on va respecter tout le moteur. Même quand on fait ça, ça consomme. Ça, c'est un autre facteur. Ça, tu en parles. Non, il n'a pas encore traduit au prof. Il faut d'abord expliquer avant. Oh, ouais. C'est différent. Ce sont des tâches.